Hello. Bonjour à toutes et à tous. Nous voilà repartis pour une nouvelle semaine. Je vois que j'ai encore pas mal de décalage vidéo audio. On va faire avec. Je vois que le confiseur a quelque chose à dire sur l'aspect musical du problème. Ah, qu'est-ce que tu veux? On se refait pas, hein. C'est trop tard, c'est foutu. Ah bah génial. Donc l'émission commence et voilà, j'ai le même problème qu'avec Patrice tout à l'heure. Si quelqu'un a la solution, je suis preneur. J'ai la coupe d'été et j'ai le MacBook aussi d'été qui décide tout à coup que les tâches du kernel explosent complètement la machine, donc vous devez être complètement désynchronisé audio et vidéo, là c'est une catastrophe. Donc si l'audio est pas trop mauvais, je vais continuer comme ça. Sinon je suis bon pour rebooter, ce qui va prendre une bonne petite minute, temps de relancer le stream. Ce serait dommage. Bon, on va continuer comme ça en espérant que la machine n'explose pas en plein vol, c'est pas très grave. Aujourd'hui, je voulais aborder deux sujets, et puis forcément ça débordera sur autre chose, je vous connais, je vous fais confiance pour vos commentaires. Le premier point que je voulais aborder, qu'est-ce que tu m'envoies? Keep calm and carry on. Non, voilà. Je suis une licorne un peu spéciale de chez Disney. Ouais, le premier sujet que je voulais aborder, en fait, je crois qu'il n'est pas connecté aujourd'hui, mais on en a causé sur le Discord. Tiens, on va commencer par ça. On va essayer d'en faire un peu une habitude. Je vais vous remettre le lien. Si j'ai le PC qui rame, quoi. Tac, 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 tac. Bon, j'espère juste que ça va pas sauter en cours d'émission. C'est incredible. Je vais finir par me faire une machine à stream qui servira qu'à ça et qui sera fiable. Je crois que c'est ce que j'ai de mieux à faire. Alors, je pense que je vais réussir jusqu'à la page de Discord me permettant de vous copier. Voilà. Toc. Donc, comme le dit Vbox, a priori, on ne mord pas. On essaye de faire en sorte que ça se passe pour le mieux. On discute de plein de petits sujets et notamment, j'ai tous les signaux sur la machine qui sont en train de dire que ça rame. Enfin, tant que vous me dites que vous m'entendez correctement, on continue. Oui, on boit des bières sur le Discord. On avait Charlito qui semblait montrer un intérêt. Ou en tout cas, comme on en avait causé pour des échanges de bouts de code, il voulait savoir comment fonctionnait un peu tout ce qui était autour de l'outil Git. Donc, je ne vais pas vous faire un grand discours aujourd'hui. On va essayer d'organiser, je ne sais pas comment, avec lui ou peut-être avec Patrice, enfin, celui des deux qui sera dispo, une espèce de petite séance live où je montrerai les premiers pas à effectuer pour utiliser ce genre d'outil. Je vais vous partager. C'est perturbant aujourd'hui, hein. J'ai tout au ralenti sur la machine, je ne sais pas ce qui passe et qui passe pas. Hop. Ah, vous voyez, la notif est même pas partie. Donc Git, je vais vous mettre le lien pour ceux qui souhaiteraient eh bien, participer quand on fera. Ah, ça lag? Vous trouvez que ça lag quand même? Putain, c'est la catastrophe. On va continuer comme ça. Ça sera pas terrible, mais tant pis, hein. Je vous ai mis le lien, mais il y en a plein d'autres. Installez juste la partie Git. Alors, c'est un peu différent suivant les OS, c'est plus ou moins simple. S'il y a des galères, venez sur le Discord, on vous aidera. Et puis, les bonnes siestes, Abilis the Troll, pas de problème. L'intérêt d'un outil comme Git, c'est en fait de pouvoir organiser les bouts de code. Ah, ça marche plus. Vous m'entendez plus? Ah putain, c'est la cata.
Bon, eh ben, il fallait bien que ça arrive un jour. On va essayer de faire un live en deux temps. Il y en a chez qui ça marche, d'autres ça marche pas. Ouais, la vidéo doit être toute saccadée, mais si vous m'entendez, c'est l'essentiel. On va essayer d'aller au bout comme ça. Hein. Ça serait con de couper en deux. Donc je disais, je vous ai mis le lien. Essayez de télécharger et d'installer Git si c'est quelque chose que vous voulez essayer. Je tâcherai de vous faire un peu d'explication. Et l'intérêt d'un outil comme Git, c'est d'avoir une forme de suivi de tout ce que vous allez modifier comme code. Alors ça peut servir à un tas d'autres choses, on y reviendra je pense au fur et à mesure, mais par exemple dans les cas d'usage qu'on a eu sur le Discord, par exemple avec Charlito ou avec Patrice, c'est quand ils souhaitent faire quelque chose et nous montrer un bout de code qui marche, qui ne marche pas, et puis même pour eux essayer plusieurs façons de procéder. Git va vous permettre de stocker donc sur votre disque vos fichiers certes, mais d'établir un suivi de toutes les modifications que vous allez pouvoir empiler dans le temps. Ce qui vous permettra par exemple, si au bout d'un certain temps quelque chose ne marche plus, mais vous vous rappelez que quelques jours auparavant ça fonctionnait, de voir l'état de ces fichiers auparavant par exemple. Et puis Git va bien entendu avec d'autres plateformes, donc je sais que vous me parlez tous de GitHub et notamment tout à l'heure sur le Discord, Patrice qui est sourd et qui ne m'entend pas, nous avait parlé de GitHub. Alors oui, vous allez avoir énormément de ressources actuellement sur GitHub, mais historiquement, j'ai toujours eu une petite préférence pour GitLab. L'intérêt de GitLab et de GitHub, c'est de proposer une plateforme par-dessus l'outil Git en lui-même. Alors il y en a d'autres, oui. On a par exemple Bitbucket qui est aussi un autre outil. Mais le gros intérêt de GitLab pour moi, et c'est un peu d'éthique certes, mais c'est le fait qu'ils proposent en open source leur outil, leur plateforme. Et quand je dis plateforme, c'est que autant Git va vous permettre de suivre les modifications de vos fichiers, autant des plateformes du type GitLab. Vous voyez là, alors je vous ferai un petit tour de la plateforme quand la machine marchera un peu mieux, hein, ça fera un live un peu plus sympa. Mais vous allez pouvoir voir tous vos projets, vous les détailler. Ces projets seront ou non sur votre machine. Donc on verra que Git a une mécanique de suivi, mais aussi d'échange entre plusieurs emplacements possibles de vos fichiers et de vos ce qu'on appelle les repositories qui vont rassembler de manière logique un ensemble de fichiers. Vous allez pouvoir visualiser en partie, vous voyez par exemple là il y a un README à la racine du projet, ben on va le voir directement. On peut naviguer directement dans les bouts de code présents sur un projet. On va pouvoir faire des recherches. Donc là évidemment comme ça rame c'est très long, mais je vous promets que ça n'est pas long. On a même dans certains cas on peut utiliser un environnement qui permet d'éditer et de modifier son code en restant dans le navigateur. Alors très pratique. Vous voyez là, vous pouvez voir qu'il y a des petites icônes parce que j'ai des extensions dans mon navigateur qui me permettent d'utiliser les outils que j'utilise moi pour travailler, hein, et dans mes projets aussi perso à côté. Donc on peut directement les balancer. On verra les concepts de clone, ce qui signifie de prendre ce qui est stocké dans un endroit où se trouve un repository Git et puis le cloner pour l'avoir sur une autre machine à un autre endroit. Et puis on fera peut-être, alors là vraiment dans une autre session je pense, un petit tour sur Gitpod qui est un outil qui permet de lier cet ensemble-là avec un environnement d'une machine virtuelle que vous allez lancer dans le cloud et vous allez pouvoir bosser sur un projet directement sans rien installer du tout. On a aussi comme le signal, alors qui nous a signalé, ben c'est il y a Charles, qui est Manuval, là, qui nous a signalé qu'il y a aussi une partie CI, la CI, la Continuous Intégration, c'est la partie qui va vous permettre d'avoir quelque chose quand vous poussez votre code, qui va exécuter ce qu'il faut pour construire éventuellement un binaire, un produit au final, avoir des vérifications et lancer tout un tas d'outils par-dessus ça. Et Monsieur Patrice, Joby Joba, tu verras qu'une fois qu'on aura fait cette initiation, a priori avec Charlito, puisqu'il était volontaire, tu sauras manipuler l'outil de base. On se fera une petite session, je ne sais pas encore quand, une fois que j'aurai stabilisé la machine à stream déjà. Et
Ça vous permettra d'avoir toutes les petites manipulations de base pour récupérer un projet qui vous intéresse quelque part, mettre un de vos projets sur une des plateformes dans le cloud, ce qui vous fera à la fois une sauvegarde et un moyen d'échanger avec d'autres personnes, notamment sur le Discord. Et on verra tout ça ensemble. Je pense que ça peut être intéressant puisqu'il y a plusieurs personnes qui en ont émis l'envie. On essaiera de faire un petit tour de tout cela. La machine n'a toujours pas explosé, moi ça rame de partout, mais ça a l'air de continuer quand même. On va passer. Il y a un mot sur deux, c'est ça? Ouais, je vois que mon écran il saute parfois. Hein. On va aller au bout, qu'est-ce que je vous dise? Il fallait bien que ça m'arrive un jour. Hein. Je vais vous montrer. Je vais changer de caméra. Ouais, je vois que l'écran clignote parfois. On verra ce que ça fait. Hein. Je verrai si le fichier en local est de meilleure qualité, j'espère. Ouais, t'es trop près de la source, Patrice, c'est pour ça, c'est intra Villeurbanne. Dans les discussions qu'il y avait eu un peu avant le week-end et puis pendant le week-end, il se trouve que dans le projet que Patrice nous avait exposé l'autre jour, ouais, c'est clair, au niveau de la vidéo, les FPS, c'est une cata, mais ça m'étonne pas. Patrice utilise ce composant que je vous avais montré. De chez DF Robot, qui est le DF Player Mini. Vous voyez, une petite SD card. Il est pilotable par les broches qui sont en dessous et il permet de jouer des MP3 ou des fichiers WAV, des fichiers de son. Donc après, on peut le raccorder, comme vous voyez ici, un petit haut-parleur. Et donc, Patrice avait quelques soucis pour le faire fonctionner. Donc j'avais réussi à le faire marcher avec un ESP32. On avait un petit peu galéré pour le faire marcher avec l'ESP32 du kit qu'on a en commun avec Patrice, le kit Freenode, mais en fait tout va bien. Et puis, comme Patrice il s'arrête plus, ben, il voulait le faire marcher avec la Raspberry Pi Pico. Et je stream avec un Amstrad CPC, c'est tout à fait ça. Je stream avec une machine qui a décelé d'utiliser 2 milliards de pourcents du CPU pour de mauvaises raisons, je ne sais pas pourquoi. Et donc, j'ai essayé de débugger tout ça, donc je n'ai aucune idée du rendu que nous allons avoir de tout ça. Mais je vais essayer de vous montrer. Alors, est-ce que j'ai un partage d'écran qui corresponde à ça? On va essayer de partager. Hop. Ça va pas être génial mon partage d'écran, là, j'ai l'impression. Donc, si tout n'est pas complètement la catastrophe, vous devriez à un moment donné apercevoir l'éditeur Tony qu'on utilise notamment avec la Raspberry Pi Pico. Je vous ferai une démo aussi du MuCode Editor hein, qui fonctionne dorénavant avec les Pico. Donc le code est relativement simple même s'il était un petit peu modifié pour la Pico. Donc, hop. Je vais juste vous montrer ça. C'est un projet que je vous mettrai aussi en lien qui a permis d'avoir la partie Dev Player Mini. C'est un bout de code, une classe qui va définir tout ce qu'il faut hein, pour piloter le DF Player. Voilà, entre deux écrans noirs, c'est vraiment. Ouais, c'est tout saccadé. Enfin bref. Je la referai certainement dans une vidéo à part, parce que c'est vraiment trop moche, je voulais vraiment vous montrer plein de choses. Toujours est-il que le montage que vous apercevez, le principe c'est d'utiliser réellement deux broches pour que le microcontrôleur puisse émettre un signal de type série. C'est ce que vous voyez dans le bout de code là avec la partie UART qui permet avec deux broches d'émission et de réception de communiquer avec le DF Player qui s'attend à recevoir un certain nombre de commandes suivant un protocole très très particulier, c'est ce qu'on aperçoit ici, mais vous avez encore un écran noir donc vous devez rien voir du tout. Je ne vais pas m'étendre ainsi, ça réapparaît. Bon. La méthode que vous voyez, defcmd, là au milieu de l'écran, ça saute trop. C'est impossible de finir l'émission dans de bonnes conditions, je suis désolé. Toujours est-il que ce produit, voilà, je viens de perdre en même temps la caméra principale, c'est une super catastrophe. Je pense qu'on va pas prolonger bien plus longtemps, je suis dans un état de machine catastrophique. J'ai perdu la webcam principale, j'ai perdu mon partage d'écran, et c'est super.
On va terminer, on va terminer l'apocalypse. Je vais vous finir de vous donner les explications vu que vous avez l'air d'avoir encore du son. Hop. Attention, les gens qui sont malades, ça va bouger. Allez, on va terminer comme ça. Ah bah ça me l'avait jamais fait, il était temps. Ça va finir avec un Mac Mini et ces conneries. Voilà. Bon alors, désolé, hein, je pense que le replay sera dégueulasse de la même façon. Ouais, c'est l'émission de l'extrême aujourd'hui. Je sais pas ce qui se passe avec cette cochonnerie de MacBook. Ça me casse les pieds, mais à un niveau. Alors, on est au-delà de la marque de fabrique là. Le fait que ça bouffe tout le CPU, en plus j'ai redémarré juste avant l'émission avec Patrice, ça marchait nickel. C'est vraiment la merde, ça a perdu ma caméra. C'est la catastrophe. Donc je referai proprement les explications de comment utiliser le DF Player Mini. Tu as raison, Bbox, c'est le signe qu'il faut que je prenne un Mac Mini M1. Je vous expliquerai en détail comment ça marche par le port série. Et surtout, ce que je voulais vous montrer, c'est quel était l'outil que j'ai utilisé pour voir passer ce que j'émettais réellement sur ces broches, puisque j'avais un doute. Et je peux finir dans une session catastrophique maintenant où je vous montre ce que passe sur le Mac, mais ça vous servira à rien. Non, Kanguino, si j'avais un process bien identifié, j'aurais pu remonter à la source du problème. Le process qui correspond au kernel qui part en sucette sur mon MacBook. Je ne sais pas pourquoi, c'est insupportable. Ça fait rien, j'aurais quand même fait ce bout d'émission. Je suis désolé, c'est une catastrophe. On se retrouvera. Ouais, mon Mac qui doit miner des cryptos, ouais, je vois que ça. Ouais. Mais ça veut dire qu'il y en a un qui a été beaucoup plus malin que moi, ce qui est possible pour installer un truc sur la bécane. Voilà, je sais plus ce que je voulais vous dire, c'est pas grave, je vous aime tous, il n'y a pas de souci. Je vous ai mis le lien pour le Discord, n'hésitez pas à venir discuter avec nous parce qu'a priori ça c'est pas sur ma machine et ça marche. Et puis bah je la referai cette histoire, Git, c'était peut-être assez clair l'intro, de toute façon je voulais pas aller plus loin. Et puis, je vous détaillerai un petit peu ce qui se passe avec ce DF Player. Ouais, on va accuser le confiseur. Il a balancé, je ne sais pas quel bonbon dans ma machine qui n'a pas aimé. Voilà, je vais vous faire du hip-hop en version saccadée. Et même si c'est saccadé, même si c'est tout bizarre, je voudrais finir sur cette note très importante. Aujourd'hui, nous sommes le 29 mars. Et je vous demande tous avec moi de souhaiter un joyeux anniversaire à Patrice qui prend une année là maintenant, aujourd'hui. Voilà. Bon anniversaire Patrice. C'était pour ton anniversaire que j'ai complètement foiré l'émission. Allez, on va arrêter cette catastrophe ici. C'est bien dommage, vous étiez nombreux aujourd'hui. J'arrive même plus à déplacer la souris jusqu'au bouton qui me permet de couper le stream. Je vais y arriver. Et je vous dis à super bientôt. Allez, ciao!